Il y a la grâce la grâce vient de quoi ça vient de la présence de croix de jésus dans notre vie shalom shalom peuple de dieu à travers le monde très heureux et très flatté de vous retrouver encore dans votre chaîne et télévision et particulièrement dans votre émission Dernier virage, dernier virage. Aujourd'hui 24 janvier 2017, nous partons du côté de l'Afrique parce que la plupart des enfants de Dieu, parce que c'est les loisirs, on le regarde tourné vers le continent africain, ou précisément en, au Gabon où se déroule la phase finale de l'édition de cette édition de football. Continental, où il y avait deux confrontations aujourd'hui, la démocratique du Congo qui découdra avec le Togo et le Maroc qui jouait contre euh, le Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'effectivement, le match est presque fini. Nous sommes très heureux, très heureux de vous retrouver. Donc ici, là, on parlait de football qui vous a réuni, mais ici nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth qui a qui a toujours uni tout le monde. Vous allez voir que du côté de Libreville, il y a des équipes qui se des, des, des équipes et des pays entiers qui sortiront malheureux. Mais nous n'avons aucun pronostic ici à PV Télévision. Notre pronostic, c'est ces c'est ce beau message, cette bonne nouvelle que nous voulons partager ensemble avec vous pour vous dire que Jésus-Christ, depuis le jour où il est sorti du tombeau le troisième jour, cet homme-là, il vit, il règne. Et il donne sa vie. Encore une fois, shalom, shalom, à la réalisation comme d'habitude, votre serviteur, le pasteur Efouanga Esoué Constant, qui est secondé aujourd'hui à la régie par l'apôtre Miché, que vous avez le privilège de suivre dans l'intercession prophétique. Tous les jésus, à 22h, ne zappez pas, 22h, jeudi prochain, vous aurez retrouvé votre serviteur, l'apôtre Miché, qui aujourd'hui est à la régie. C'est pour dire que s'il si y a EPV Télévision, nous sommes vraiment polyvalents, tout le monde peut faire tout. Mais les médecins Seigneur, c'est pour la gloire de notre Dieu. De votre émission, produite toujours par le centre évangélique Christ, notre roi, ou votre serviteur, votre sentinelle. Prest, nous travaillons pour la gloire du grand roi immortel à Grigny, au 13 rue Jean-Jacques Rousseau. Nous sommes dans les zones d'activité des radars à Grigny, déjà qui veulent retrouver le centre évangélique Christ notre roi qui fait la production de cette émission. Si vous ne pouvez pas nous retrouver dans l'émission, en tout cas, vous allez sur votre moteur de recherche Google et vous tapez tout simplement centre évangélique Christ notre roi et vous aurez toutes les informations en détail et tout ce que vous voulez pour nous rejoindre ainsi que nos horaires d'activité. Et comme d'habitude, votre émission est, est produite. Et, et, présenté aujourd'hui, encore une fois, pour vous, pour vous servir à cause de vous, et pour le bénéfice pour vous, bénébé des Seigneurs, par votre sentinelle, Wombi type, dilinghi bénébé des Seigneurs. Encore aujourd'hui, nous continuons sur notre série, sur l'homme dans sa relation avec Dieu. Bonjour, nous voulons parler des comportement des comportements. Bien-aimés, je suis très heureux de vous savoir, très nombreux. Nous voulons bénir notre Dieu pour ces moments uniques, ces moments d'intimité, ces moments du commun, ces moments, bien-aimés, de rendez-vous de l'humain et du divin. Nous croyons encore une, une fois de plus, aujourd'hui, la grâce de Dieu se déversera sur votre vie et j'ai pris réellement sur si vous, bien-aimés, aujourd'hui, que notre Dieu facilite la communication, la compréhension de ses paroles et que, que, et que vous ouvrez, vous ouvrez grand aussi vos cœurs afin de recevoir cette charmante, cette belle parole de notre Dieu, notre Dieu qui est toujours prêt, bien aimé de les seigneurs, à nous faire du bien et je pense bien aimé encore aujourd'hui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous fera du bien à travers votre émission que nous suivons tous ensemble et nous voulons saluer au début de cette émission en tout cas tout le peuple de Dieu qui nous suit, à travers le monde entier, commençons par les Gabons, on se trouve à la phase finale de l'édition de la, de la Cannes, en tout cas pour, pour bénir et saluer tous les peuples de Dieu qui se trouve en ce moment-ci au Gabon afin de vivre ces rendez-vous continentaux du football, le football qui est le sport roi, vraiment à Libreville, à Port-Gentil, où s'est déroulé les matchs Togo-RDC. Je pense que j'ai des matchs déjà finis. Et vous êtes là encore pour nous retrouver au Togo, à, à, en République démocratique du Congo, bien aimé de la Seigneur, pour bénir tout le peuple de Dieu dans ces pays-là, les pasteurs Anatole Zengue ainsi que toute l'Église de Christ, notre roi. Maire, siège à Kinshasa Lemba, le pasteur Anto Lufimpu avec toute l'Église de Christ, notre roi Matete, le pasteur euh, Léopold Kabamba avec toute l'Église de Christ, notre roi Amassina et vous tous et pour vous tous. En tout cas, merci beaucoup à Patience. Bisolé, ma soeur bien-aimée, que la grâce de Dieu soit sur toi et ici à Paris pour saluer tout le peuple de Dieu à Paris et dans toute la France métropolitaine, le pasteur Jean-Thomas Kazadi et la servante de Dieu Nicole Ntsakala et toute l'église en tout cas sous votre responsabilité, que la grâce de Dieu soit pour vous et sur vous bien dans les seigneurs saluons tout le peuple de Dieu qui nous suivent à ce moment, à travers le rond vous êtes nombreux à Liège en Belgique, à Bruxelles, pour saluer Alimia, mon gars il se reconnaîtra à travers les clips de cette émission et la marque de cette émission avec toute ta famille Céline Mujinga Tété Mouéloa, vous ne nous la Lâchez pas, vous continuez à soutenir votre émission. Merci et merci. Vous êtes très 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 nombreux et aussi pour saluer. Et au Canada, euh, Jano Lifungula, merci pour tes messages qui nous réconfortent beaucoup, 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 beaucoup. Nous voulons aussi et saluer aussi ici à Paris tout Saint monde, ton époux et toute la famille, et que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci encore une fois, vous tous qui viennent de nous rejoindre. En tout cas, je pense qu'avec l'effervescence de la victoire de la RDC, de la République démocratique du Congo contre les éperviers du Togo, et on nous a je comprends qu'effectivement, la RDC vient de battre le Togo par trois bis à 1. En tout cas, merci beaucoup à l'équipe de la RDC et aussi à l'équipe de Togo qui n'a pas démérité et qui ont développé un bon football aujourd'hui. Ce qui nous permet de pouvoir se rafraîchir encore une fois dans ces cadres, dans votre émission, bien-aimés, afin de le suivre ensemble pour la gloire. De notre Dieu. Vous êtes bien dans votre émission, bien aimé dans le Seigneur, permettez-moi pour ne pas bouder mon plaisir, saluer nos, ceux qui nous soutiennent toujours tout dans cette émission, le pasteur euh, euh, Clément Mbouy, nous sommes bien à Maryland, à Frédéric, le pasteur euh, Amos Esekwen, Cincinnati cincinnati, Ohio, États-Unis et le docteur Patrice Saketi, en tout cas merci, merci pour vos soutiens, pour tout ce que vous faites pour votre émission, n'hésitez pas à bien aimer, ça fait plusieurs mois que nous sommes vraiment installés dans ces grands villages à travers EPV Télévision, ne boudez pas votre plaisir, si vous voulez traduire dans un acte concret votre soutien à votre émission, n'hésitez surtout pas, vous avez nos contacts et bien aimé qui se défile au bas de votre écran, vous voulez faire un geste, pour soutenir votre émission afin que nous puissions pérenniser l'œuvre de Dieu afin que nous ayons toujours les moyens pour vous produire et vous présenter des émissions de qualité. En tout cas, ne boudez surtout pas ces plaisirs-là. Faites-les du bon cœur. À Londres, nous saluons le pasteur Romuald de Maman Marie Paul Cusonica et toutes les filles et toute l'Église sous votre responsabilité. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Le pasteur Dadi Ngombo et son épouse, l'ancien Kaloum et Patrick de Christ notre roi, nous vous saluons aussi. Et pourquoi pas toute l'église où je suis sentinelle, Christ notre roi, les centres évangéliques, Christ notre roi, Agrigny, H.L.O. Combo, Lorca Wombi, Makourone, John Chihuahua, Nono Wawina, Toussaint, Mundelingolo, Angèle Moulanga, Philo Grasse et Phénomène. En tout cas, je vous salue tous, Laurence, Rabbi Ephraim, Divine Grâce Kinaya, toutes les serviteurs et servantes de Dieu, mes frères Aaron, en tout cas vous tous, Béal, et vraiment toute l'église de Dieu, merci à Mimi, Mazingu, Maolo, et ton mari, Patou, en tout cas merci pour votre soutien et que mon Dieu vous soit vraiment favorable à tous égards et nous voulons se saluer au début de cette émission celle qui nous a toujours pas lâchés, même si elle n'est pas là physiquement avec nous euh, ici à la régie ici au studio nous voulons saluer maman Nadine Efwanga, vraiment pour ton soutien je sais que tu es une une compagne pour cette émission un soutien pour EPV Télévision que mon Dieu te bénisse je sais qu'elle là où tu es tu es en train de soutenir ton émission et l'émission des EPV Télévision. Donc là, aujourd'hui, nous voulons parler et nous continuons sur notre série sur l'homme dans sa relation avec Dieu. Voilà pourquoi je vous propose, mesdames et messieurs, de, de rentrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans le premier épître de Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, et, il faudra, pardon, Timothée chapitre 3, et nous allons lire le verset 14 au verset 16. Nous lisons la parole de Dieu pour vous dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à verset 16. Je pense que nous connaissons bien ces versets qui dit "Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant" la colonne et l'appui de la vérité. Et ça contredit les ministères de la piété et grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges prêchés aux nations crues dans les mondes élevés dans la gloire. Que Dieu Tout-Puissant bénisse sa parole, que cette parole localise quelqu'un aujourd'hui. J'ai pris réellement que le ciel ouvre au-dessus de toi, afin que les écailles tombent de tes yeux, afin que tu vois distinctement et clairement la beauté, la clarté. Et la gaieté dans toute sa dimension de la parole de Dieu, cette parole qui fait du bien, cette parole personnifiée qui s'est authentifiée par la personne de Jésus-Christ. C'est celle-là que nous voulons partager aujourd'hui, bien-aimés. C'est Jésus, là vainqueur, vainqueur en toutes les choses, bien-aimés. Victorieux en tout, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ces messages que nous voulons partager dans notre série sur l'homme dans sa relation avec Dieu, avec un sous-thème que nous allons partager aujourd'hui comportement. C'est vrai que ces versets que nous venons de lire, ces textes que nous avons proposés aujourd'hui, bien-aimés, dans les seigneurs, c'est précisément le cœur de la mission et du message de l'Église. Oui, bien-aimés, c'est ça. Nous voulons saluer aussi au début de cette émission notre, la servante de Dieu qui nous a pas lâchés parce que vraiment c'est très important de le dire, bien -aimé, au début de l'émission. Et à la fin, nous reviendrons à Odile. Makwatu, en tout cas, merci pour votre soutien. Je vous dis, n'hésitez surtout pas, si vous voulez traduire par des actes concrets, vous voulez amener une contribution un soutien pour soutenir votre émission, bien -aimé, afin de continuer et à pérenniser cette œuvre à vous produire, à vous proposer des missions, des qualités durant toute l'année. C'est très important. Vous avez nos contacts, vous pouvez nous, nous, vous nous contacter à tout moment, faire ces gestes pour la gloire de votre Dieu et l'État Tout-Puissant ne manquera pas à vous faire du bien. Merci encore une fois à vous tous qui viennent de nous rejoindre en ce moment, après les matchs de football qui a opposé les Maroc. Euh, à l'équipe de, de Côte d'Ivoire et aussi après les sacre et la victoire des Léopards de la RDC contre les éperviers du Togo. En tout cas, merci d'être là. Vous êtes très, très joyeux. Je vous vois, bien aimé dans les Seigneurs, pour suivre cette émission partout où vous avez suivi, dans les cadres de votre référent, de l'environnement vous êtes, poursuivre votre émission d'aujourd'hui, mardi 24 janvier 2017. Bien aimé dans les Seigneurs. Je disais, bien aimé, que ces versets que nous avons l'heure, Précise les cœurs de la mission et les cœurs du message de l'Église. Comment se conduire Comment ramener l'ordre dans l'Église Comment ramener l'ordre dans nos communautés Comment ramener l'ordre dans notre maison, bien C'est bien les cœurs de la mission, c'est bien le cœur, bien du message de l'Église. En tant que chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, à la lumière, et à la connaissance de la parole de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Mais oui, à tant que chrétiens nous sommes la maison de Dieu, parce que, comme j'ai dit dimanche dernier à, au centre Évangile Christ notre Roi à Grigny, j'ai bien dit aux enfants de Dieu que c'est tout simplement, exclusivement et seul notre appartenance à Jésus Christ qui fait de nous enfant de Dieu et qui fait de nous un chrétien. Et cela exclut, bien aimé, notre adhésion à une église chrétienne, à une communauté, à une assemblée. Ce n'est pas le fait de pouvoir fréquenter une assemblée quelconque, une assemblée, une église, une communauté, très souvent, qui t'octroie. Qui, te, qui fait de toi un chrétien. Mais non, c'est juste ton appartenance, le fait de pouvoir reconnaître l'œuvre salvatrice, l'œuvre parfaite que Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à, te, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il n'y a que notre appartenance en Jésus-Christ qui fait de nous. Enfant de Dieu, qui nous donne le pouvoir et la possibilité de devenir chrétien. En dehors de cela, alors pose-toi des questions. Ce n'est pas encore trop tard. La grâce de Dieu est disponible. Et elle continue encore à ce qu'il est. C'est très important pour toi lorsque tu attends la parole de Dieu, bénéfice de les Seigneur, parce que nous parlons des comportements. Le comportement aussi, on voit à travers une personne, lorsqu'elle reçoit la parole de Dieu, quel est son comportement Quelle est son attitude Il faut voir la lecture, lire les comportements d'une personne avant qu'il qu ait été au contact avec la parole de Dieu et surtout voir son comportement après qu'il ait été... Au contact avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on rentre en contact avec la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui est Jésus Christ, qu'on ait une attitude, bien aimé dans le Seigneur, de dévouement, une attitude de respect et d'obéissance vis-à-vis de cette parole-là. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important que tu, tu, tu il est très important que tu adoptes. Un comportement bien-aimé en conséquence au rapport avec ton appartenance avec Christ bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais te dire, en tant que chrétien, à moins que tu te le dis par toi-même, parce qu'il n'y a que soi-même qui, qui peut avoir la certitude que réellement nous sommes enfants de Dieu ou alors on ne l'est pas. La Bible nous montre que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il convainc, il confirme à notre esprit, il confirme dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu, autrement dit, que nous ne le sommes pas. Voilà. Alors, lorsque Christ reviendra, parce que bientôt Jésus-Christ revient, il ne viendra pas chercher les gens qui fréquentent les églises, parce que les faits de fréquenter une église, les faits d'adhérer à une église, les faits qu'on vous produise ou on vous décerne des certificats de baptême, qu'on vous décerne des certificats de des mérites, des certificats de ceci dans une église, ce n'est pas ces certificats-là, ce, certificat ce n'est pas un mérite qu'un homme octroie à un homme qui fait de lui qui, qui lui octroie les qualités d'être un chrétien. Ce n'est pas ce qu'il ferait de lui que lorsque Christ reviendra et qu'il part avec lui. Non, seulement le fait de croire et de recevoir Jésus-Christ dans notre cœur. C'est la nouvelle naissance, c'est celle-là qui donne la possibilité, bien aimé dans le Seigneur, immuable, de pouvoir pour l'éternité avec le grand roi immortel parce que bientôt et très bientôt Jésus Christ revient voilà pourquoi ici à EPV télévision surtout ici au dernier virage bien aimé nous ne proclamons que la vérité parce que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin afin de préparer l'église de Dieu à la rencontre du Seigneur parce que les signes précurseurs du retour de Jésus Christ sont posés voilà pourquoi l'église de Dieu le vrai chrétien le vrai enfant de Dieu, Dieu qui comprend, qui réalise les signes de son Seigneur et dans la joie parce qu'il sait que le Seigneur de gloire revient. Il avait promis et les, les, les apôtres l'ont confirmé, dit n'ayez pas peur, c'est même Jésus qui est monté au-dessus de vous. De la même manière, il reviendra de la même manière. Et ça fait 2000 ans. Et les signes de son retour ne se sont pas aussi posés avec acuité. Comme ils sont en train de se poser au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est très important, bien aimé, à pouvoir suivre et de lire les signes de Dieu, bien aimé, dans le Seigneur et comprendre à quel temps où nous sommes. C'est plus le temps de pouvoir nous disparaître, nous dispatcher ça et là. C'est le temps de pouvoir nous concentrer pour que lorsque le Seigneur de gloire revient et qu'il puisse nous trouver, bien aimé, dans le Seigneur. Merci à vous qui vient de nous rejoindre en ce moment... Vous êtes très nombreux, bien aimé, dans le Seigneur. Vous êtes bien dans votre émission. Dernier virage où nous parlons de comportement aujourd'hui. à savoir, bien-aimé, je disais que tu es, si tu te retrouves effectivement dans cela, j'aimerais te dire, tu es véritablement l'Église authentique dans ta vie. à savoir que, bien-aimé, l'Église est la priorité des dieux. Oui, je disais que, en tant que chrétien authentique, tu es l'habitation de Dieu. Tu es l'église de Dieu. En tant que tel, tu es la priorité de Dieu et la propriété de Dieu. L'église, bien aimé, j'aimerais te dire, c'est la vision de Dieu. L'église, c'est la conception de Dieu. L'église, c'est l'inspiration de Dieu. L'église, c'est la pensée de Dieu. Je disais que l'église, c'est la vision de Dieu. Qui est celui qui peut... Lever son, son doigt pour dire que la, la communauté dans laquelle il vit, il preste ou il ministre. Eh bien, c'est lui qui en est le visionnaire, mais c'est faux, ben aimé parce que les, la vision, c'est Jésus. Les visionnaires chez Jésus, cette communauté-là a comme visionnaire, c'est Jésus. Cela rentre dans le pouvoir discrétionnel, dans son domaine de compétence. C'est lui-même qui en a l'expertise. Personne bien aimé ne peut se prévaloir. Bien aimé dans le Seigneur, des choses de Dieu dans sa vie, bien aimé dans le Seigneur. Je disais bien que l'Église c'est une inspiration d'Église, et voilà pourquoi l'Église doit soutenir. À ce titre, elle doit soutenir la vérité révélée par Dieu, afin de produire bien aimé dans le Seigneur la manifestation de la justice parfaite. Est véritable qui se trouve en Jésus Christ et nulle part ailleurs. Oui, bien aimé, dans les Seigneurs. Parce que nous parlons de comportement il y a le comportement de Dieu vis-à-vis -vis de l'homme et de l'homme vis-à-vis de Dieu. Parce que nous parlons de l'homme dans sa relation avec Dieu, bien -aimé, ben aimé. Nous parlons de comportement. Je disais que l'Église est la propriété de Dieu, bien aimé. Et nous, en Église de Dieu, nous devons soutenir la vérité. Et rien que la vérité, ce n'est pas soutenir des fables, ce n'est pas soutenir des sornettes, ce n'est pas soutenir je ne sais pas moi quoi, mais soutenir la vérité en toutes circonstances, et rien que la vérité. Paul dit dans son épître, toujours à Timothée chapitre 4, verset 1er, il dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans, les, dans leur propre conscience. Oui, nous y sommes. Nous sommes au temps de la fin. J'aimerais vous dire ici, bien et vous rappeler, Jésus-Christ a dit, lorsqu'il nous préparera une place, et qu'il aura fini de préparer cette place-là, je reviendrai vous chercher, dit le Seigneur, afin que là où moi je suis et que vous y soyez aussi, moi je pense, aimé dans le Seigneur. À l'allure des événements eschatologiques, à la lecture des événements qui sont dictés par la conscience de la parole de Dieu, aimé, et que les retour de Jésus-Christ... Est là, bien-aimé, les retours de Jésus-Christ est là et que la place a été déjà préparée et il revient chercher les élus. L'Évé dit que beaucoup sont appelés mais peu sont élus. Il viendra chercher les élus. Alors que j'y pense, bien-aimé, j'ai une pensée particulière avec une image macabre, une image sordide, une image atroce que j'ai vue aujourd'hui. Une jeune fille, une adolescente, qui a été immolée, molesté violenté et immolée quelque, quelque part en Asie, en Inde. Pourquoi? Parce qu'elle a été participée à un culte chrétien évangélique. Oui, même ceux qui sont dit que au son de la septième trompette, les morts en Christ ressusciteront en premier, avec nous les vivants qui croyons à l'œuvre salvatrice de Jésus, qui croient et qui confessent Jésus-Christ, qui croient en lui et qui l'avons reçu, nous serons transformés. C'est sont celui-là qui seront transportés dans les airs à la rencontre du grand roi immortel. Il y a des gens aujourd'hui qui n'attendent que le retour de Jésus. Il y a des gens même qui sont en train de construire des appartements, qui sont en train d'acheter de, des parcelles de terre à côté des monts des oliviers. Nous sommes bien en Israël pour dire que Jésus-là avait promis qu'il reviendra. Dans son second retour, il y reviendra et il posera ses pieds sur le mont des oliviers et les des oliviers s'écrasera. Oui, c'est vrai, il y reviendra. Mais ceux qui attendent le retour de ce Jésus de cette manière-là, eh bien ils n'attendront pas son retour glorieux pour chercher les, pour chercher ses élus, mais là ce sera pour la damnation. Ceux qui seront vivants, même ceux qui seront morts, ils ressusciteront pour la damnation pendant ce temps l'église sera déjà emportée. Je parle de l'église, je parle de l'église comme toi, parce que si réellement tu te reconnais à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, tu es réellement l'Église authentique, celle-là. Qui partira... Avec les seigneurs de gloire... Ces jours-là... Bientôt... Et très bientôt... Bénémédèque Seigneur... Ce n'est pas... Le, le, le sujet de notre propos... Aujourd'hui... Mais ce qui est important de savoir... Le retour de Jésus-Christ... A aussi deux aspects... La même manière que sa première venue avait des aspects... L'aspect privatif... Lorsqu'il est né... Dans les étables... Bénémédèque Seigneur... Personne n'a vu... Il n'y a que les mages... Qui ont lu l'image... L'étoile de Christ... Et qui sont venus de l'Orient... Sont venus adorer Jésus... C'est Jésus là s'est présenté devant nous comme roi des Juifs à son entrée triomphale à Jérusalem. Il y a l'aspect privé et l'aspect aussi public. De la même manière son second retour aura aussi deux aspects. Privé et public. Privé, c'est lorsque, au son de la trompette, seuls les élus écouteront le son de la trompette. Là, il me dit même que de deux personnes qui seront couchées sur un même lit, l'un sera enlevé, l'autre restera. De deux qui seront sur le champ, il y a un qui partira et l'autre restera. Ça, c'est l'aspect privé. Avec les élus qui partiront là, c'est public, c'est pour tout le monde qui attend effectivement les jugements derniers l'enfer qui existe qui n'est pas seulement une réalité mais l'enfer est une vérité vraiment c'est les gens qui partent et qui sont aujourd'hui entre qui sont aujourd'hui à la porte de l'enfer pouvaient revenir pour dire ceux qui sont en train de vivre. Mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, on n'aura plus personne qui va courtiser, qui vivra, bien aimé dans le Seigneur, une vie de compromis dans sa vie, bien aimé dans le Seigneur. Je disais, bien aimé, les comportements. Et nous parlons aujourd'hui des comportements. Le Saint-Esprit nous met en garde sur le danger de l'apostasie. Pourquoi Parce que le retour de Jésus est proche. Je disais tout à l'heure pour ne pas se répéter. Parce que l'apostasie a atteint son paroxysme. L'apostasie a atteint son niveau le plus élevé. Aujourd'hui, il y a juste à voir ce qui se passe. Voilà pourquoi Matthieu le disait déjà dans Matthieu chapitre 24, verset 12. On peut lire ça chez vous, béni Seigneur. Et parce que l'iniquité sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais nous parlons du comportement. Que ne voyons-nous pas dans nos églises, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos associations, pour voir comment est-ce que l'amour, le premier amour, comment les gens sont en train de rejeter l'œuvre de Dieu, sont en train de remettre au calme des Grecs. Oh, bien béni, Seigneur. La grâce que Christ nous donne, il dit que l'iniquité sera accrue. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que l'iniquité a accru, bien dans les Seigneurs. On voit même l'iniquité s'asseoir au sein même de nos communautés. On disait, on dirait encore assez ici à EPV Télévision, bien aimé, Seigneur, pour vous dire que, bien aimé, aujourd'hui, les, 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 les sorcier, les magiciens, toutes ces personnes que vous savez là, quand ils rentrent aujourd'hui dans nos églises, ils sont contents. Ils rentrent dans un terrain conquis, dans un espace conquis, dans un lien conquis. Ils n'ont plus peur de quoi que ce soit parce qu'ils se retrouvent là 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 là. Ils se retrouvent. Hier, on pouvait voir où se trouvent les marabouts. On pouvait voir et lire l'adresse d'un féticheur et qu'on connaissait bien les, les gens qui font les griquets que nous connaissons bien d'Afrique. On connaissait leur adresse. Maintenant, où se trouvent-ils aujourd'hui Ah, posez-vous la question. Ils rentrent plus maintenant. Nous communauté sont devenus des apôtres, ce sont eux les apôtres, ce sont eux les pasteurs, ce sont des, on le retrouve rarement comme étant des pasteurs, parce que pour eux, être un pasteur, c'est un ministère de basse classe, voilà, ils sont, des... ils sont devenus aujourd'hui des apôtres, ils sont aujourd'hui des... des prophètes, bien mais dans le Seigneur, mais quand vous lisez les signes distinctifs, bien mais qui émaillent leur vie, vous sentez réellement l'odeur du ténèbre dans leur vie, c'est pour ça que c'est très important, enfants de Dieu, il faut Ouvrir grandement vos yeux. C'est le pas de fait de pouvoir appartenir, le fait d'adhérer à une institution chrétienne ou religieuse qui vous, qui vous obtère, bien aimé, la qualité d'être chrétien ou un enfant de Dieu. Seule l'appartenance au Dieu créateur incréé à Jésus-Christ qui fait de nous chrétiens ou chrétiennes dans notre vie, bien aimé, de tous les jours. Alléluia que mon Dieu vous bénisse Vous qui viennent de nous rejoindre en ce moment Nous sommes bien sur euh, votre émission Dernier virage sur EPV télévision Où nous parlons de ce comportement bien aimé Dans notre série sur l'homme Dans sa relation avec Dieu Mais, mais ceux qui répondent à l'appel des faux docteurs Ils font naufrage Et parce qu'ils sont nombreux Ils répondent aux appels des faux docteurs Ils font naufrage dans leur vie et ils abandonnent la foi. Ce sont, bien les chrétiens des noms. Ceux qui s'appellent seulement chrétiens, qui veulent être appelés chrétiens. Et lorsqu'ils se retrouvent dans les assemblées, ils veulent toujours prendre la première place. Oui, toujours la première place. Ils veulent être servis le premier. Et jamais servir les autres. Ils veulent être servis, toujours, toujours occuper les premières places. Les, ils veulent être vus de tout le monde et de partout. Ils sont juste des chrétiens des noms. Et ceux qui prétendent aussi forcément l'être, bien aimé ils s'associent avec ceux qui ajoutent véritablement foi à l'évangile, mais ont tout fait, bien-aimés, naufrage. Ils ont déserté leur rang, car ils se mettent à croire à des fables et aux mensonges. Comme l'a appelé le diable, qui est le menteur. Il a toujours été menteur depuis le début. Et il est encore aujourd'hui, à plus forte raison, qui sait que son heure est déjà comptée et que bientôt il sera décimé, asphalté pour toujours. Voilà pourquoi nous nous espérons toujours. Nous avons cette espérance. Nous continuons à persévérer, bien-aimés. La persévérance, bien-aimés, c'est le fait de poursuivre. Un effort qu'on avait déjà entamé. La persévérance, bien la patience, c'est lorsqu'on perd patience, bien aimé, qu'on capitule. Lorsqu'on perd patience, c'est là où on fait naufrage. Mais lorsqu'on dépasse l'étape de la patience, qui est déjà un effort qu'on commence à conjuguer, donc on atteint, bien aimé, la persévérance, eh bien, c'est la poursuite d'un effort qu'on a déjà commencé à engager. Béni sois-tu, vous tous, bien aimé, bien Seigneur, qui persévérer persévérez. Et continuez à persévérer, bien aimé Seigneur, parce que votre victoire est certaine, bien aimé, votre récompense. Est certaine auprès de notre Dieu, bien-aimé, dans les Seigneurs. Son comportement, bien-aimé, dans les Seigneurs. Il disait qu'ils associent avec ces gens-là, alors qu'ils croient à des fables et aux mensonges. Ils démontrent par là leur vraie nature, des convertis, bien -aimé. On peut pas dire à quelqu'un. Que je suis converti, j'ai autant d'années dans le ministère. Il y a ceux qui sont là, ils sont prêts à pouvoir livrer leur CV. Voici, ça fait 30 ans de conversion, 30 ans de ministère, 40 ans de ministère, 40 ans de ceci, diplômé de cela, diplômé spécialiste en ceci, spécialiste en cela, spécialiste en angéologie, spécialiste en christologie, spécialiste en démologie, spécialiste en ceci, master ont cela bien aimé dans le Seigneur ils veulent justement montrer leur foule de, 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 de diplômes alors quand tu regardes sérieusement dans leur vie des problèmes comportementaux graves des problèmes comportementaux graves bien aimés dans le Seigneur comment voulez-vous claironner pendant 30 ans être dans le centre 30e année de ministère, 25 26 27 ans de ministère, alors que on se rend compte qu'il y a des problèmes doctrinaux, des problèmes comportementaux graves qui 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 qui, 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 qui écarte la possibilité de croire réellement à ta conversion. Moi, je ne crois pas bénémé, qu'un enfant de Dieu naît de nouveau. Naît de nouveau parce que à la nouvelle naissance bénémé, il y a deux mouvements simultanés qui se suivent. Il y a la conversion et la régénérescence. Il y a beaucoup qui acceptent bien de se convertir en Jésus en acceptant l'offre. On acceptant Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, soi-disant personnel. Et à ce moment-là, Jésus-Christ pardonne leurs péchés, leurs iniquités, et il, règle, il les justifie, il règle leur position par rapport à Dieu le Père. Mais il y a un deuxième mouvement simultané, bien-aimé. Quand on la loupe, quand on loupe, mon Dieu, mon roi, à cette étape-là, et qu'on loupe cette étape-là, bien quelles que soient les années qu'on aura passées dans la vie chrétienne, mais ben ce sera comme une corde qui nous relie avec notre, notre vie d'hier. Ce qu'on appelle la régénérescence. C'est là où la Bible souligne et dit bien que les choses anciennes sont passées et que toutes les choses sont devenues nouvelles. À ce moment-là, que lorsque l'homme regarde son passé, il a horreur. Il a la haine de son passé parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a beaucoup qui se convertissent au christianisme, qui se convertissent en Jésus, qui croient en Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Ils répètent cette phrase-là, ils répètent cette prière-là, mais en réalité, ils ne sont pas régénérés. Quel que soit le temps que vous passerez devant le peuple de Dieu, dans les ministères, si vous ne vous êtes pas régénérés, vous avez loupé une étape Importante de votre nouvelle naissance, vous devez retourner au lieu de rencontre avec votre Seigneur pour renouveler votre engagement ainsi être régénéré dans votre vie. Ainsi, on ne lira pas à travers vous ces problèmes comportementaux que nous sommes entrés bien aimés dans le Seigneur de décrier ce soir en ces lieux bien aimés dans le Seigneur. L'Église bien aimée est les piliers et les supports de la vérité. Elle prêche au monde la vérité. Je disais qu'en tant que chrétien, nous sommes l'Église authentique. Nous sommes, bien aimés, les piliers et les supports de la vérité. Nous devons prêcher la vérité. Nous devons dire la vérité. Nous devons vivre dans la vérité. Et tout en nous d'être la vérité, bien aimée, dans le Seigneur. Nous devons persévérer et transmettre cette vérité de génération en génération. L'église, bien-aimée, elle est appelée la maison de Dieu parce que Dieu, il fait sa demeure. Oui, il fait sa demeure, il y réside là, c'est la maison. Depuis les temps, Jésus-Christ a dit qu'il nous a dit montrer que Dieu n'habite plus les maisons faites des mains d'hommes. Il habite maintenant dans le corps du croyant, dans le cœur du chrétien, bien-aimé. Voilà la vraie église. Alors, si Jésus-Christ doit habiter en toi, tu dois être réellement l'habitation spirituelle du Saint-Esprit. Comment est-ce que cette église-là doit se comporter? Comment cette église-là doit, doit 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 vivre? Quel est son caractère? quelle sera ses attitudes, bien-aimé, dans le Seigneur, le peuple de Dieu? Et son temple, et son temple, et son temple, bien-aimé, sous la terre, tel est que tu l'as le temple de l'éternel. La colonne et l'appui de la vérité s'applique à l'église du Dieu vivant pour et pourquoi Pour inspirer tous les serviteurs de l'église le plus profond sentiment de l'importance de leurs fonctions et de la terrible responsabilité qui pèse sur chacun de nous, bien-aimés, dans le Seigneur comportement et attitude que nous devons observer à l'église devant notre Dieu. L'élément ça de ce texte, 1 Timothée chapitre 3 verset 14. Et c'est ce que nous avons proposé au début de notre émission. C'est la maison des dieux, qui est la propriété des dieux et qui est la demeure de Dieu, le tabernacle. Tel que tu l'as, tu es la propriété des dieux. Et bien aimé tuer, la demeure de Dieu Tout-Puissant. C'est ça l'élément de ces textes que nous avons lu L'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Les architectes peuvent se reconnaître dans ce vocabulaire. Vous savez que la Bible, bien-aimé, c'est un océan. Lorsque vous rentrez, bien c'est une source intarissable de vie et de découvertes. Et tous les jours, on découvre des choses, bien -aimé. On devait fermer tous les livres du monde entier, sans exception, et se focaliser et prendre la Bible comme étant la référence. On pouvait même, on pouvait même enterrer toutes les constitutions du monde entier et prendre la Bible comme étant une constitution parce qu'elle et elle, les regorge, elle les rentre tout. C'est une inspiration en beaucoup. Et en toutes les choses, dans la vie courante, bien-aimé. L'Église, bien-aimé, dit que c'est le pilier et le support de la vérité qu'elle prêche au monde, qu'elle préserve et qu'elle transmet. L'Église, bien est appelée la maison de Dieu, nous avons dit. Elle est appelée la maison de Dieu. Le peuple de Dieu, bien-aimé. Alléluia. L'Église, bien-aimé, est le soutien de l'écriture et de la doctrine de Christ. Oui. Nous sommes le soutien de la doctrine, bien-aimés, et de la parole de notre Dieu. Elle est le véritable pilier. Et quand une église cesse, quand une église arrête de jouer ses rôles, elle n'est plus ses fondement de la vérité. Nous pouvons et même nous devons l'abandonner. Toute recherche de la vérité doit être en effet prioritaire. En toutes les choses. Voilà pourquoi nous avons choisi en tout cas de nous aligner par rapport à la pensée de la parole de Dieu pour nous dire que la vérité est préparer le peuple de Dieu dans la vérité. La vie que nous menons, bien aimé, ce n'est pas une réalité. Les réalités de ta vie, les réalités de nos vies, bien aimé, n'est pas une vérité. Mais c'est une vérité réelle, bien aimée, dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Colonne est l'appui de la vérité, bien aimé. S'applique à l'église du Dieu vivant pour inspirer tous les serviteurs de Dieu. Les plus profonds sentiments nous ont de leur portant, de leurs fonctions et de leurs responsabilités vis-à-vis de Dieu. La parole de Dieu, bien aimé, c'est la seule source et l'unique source, bien aimé, de la vérité. En matière de la foi, il n'y a que la Bible, bien aimé, qui est. La base, il y a que la parole de Dieu qui est la base fondamentale en matière de la foi bien-aimée dans le Seigneur. Paul dit dans son épître aux Galates au chapitre 5, il va dire J'ai dit donc marcher sur l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Cela porte, bien aimés sur les facteurs qui régissent le comportement humain au cours de sa vie terrestre. Parmi ces, il y en a plusieurs. Marcher sur l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce qu'il sait que la chair a des désirs contraires à l'esprit et ils sont opposés entre eux, bien aimés dans le Seigneur. La chair, dans 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. La Bible parle de l'homme animal qui ne reçoit pas les choses de l'esprit. Oui, c'est l'être humain à l'état brut, bien-aimé, qui obéit à ses pulsions en marchant selon ses désirs charnels. Il dit Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Paul dans son épître aux Éphésiens bien-aimés dans le Seigneur. Or les œuvres de la chair bien -aimée sont manifestes. Ce sont l'impunicité, c'est l'impurité. C'est la dissolution, bénévole béné béné Seigneur. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Oui, ceux qui sont en Jésus-Christ, les premiers comportements, ils les ont sacrifiés la chair avec ses passions, avec ses désirs, avec tout. Mais le fait d'appartenir à Jésus, c'est d'abord une vie de sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice sans récompense mais sacrifice avec récompense inestimable et inespérée dans notre vie. Ça, c'est la chair, la législation, bien-aimé. Les magistrats, bien aimés, nous savons bien que les magistrats, selon Romains chapitre 13, les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée est un serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait les mal. Voilà pourquoi une personne qui commet les mal, eh bien, il retrouve devant lui la rigueur, bien-aimé, de la loi, bien-aimé, dans les Seigneur. Les hommes ont promulgué des lois dont la majorité détermine les libertés des citoyens dans la vie en collectivité. Mais le but, bien-aimé, est de fixer les droits, les devoirs de chacun, en vue du respect de la liberté d'autrui. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la crainte du châtiment par la condamnation pénale au tribunal empêche, par exemple, de commettre des actes de vandalisme, de vol, de tuerie et tout ce genre. Mais aujourd'hui, on n'a pas peur, bien-aimés, de, de désobéir à Dieu. On n'a pas peur d'outrager la volonté de Dieu parce qu'on sait qu'il y a la présence de la grâce de Dieu. Il y a aujourd'hui une doctrine qui s'installe malheureusement dans nos communautés où les gens sont animés dans un désir effréné de commettre péché sur péché, envie sur envie, blasphème sur blasphème, adultère sur adultère, immoralité sur immoralité, parce qu'ils disent que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mais les messieurs, c'est du mensonge. Montez, montez, il restera toujours quelque chose. C'est à cause de la présence de Jésus-Christ dans la création dans l'humanité à cause de l'œuvre de la croix de Jésus qui fait qu'aujourd'hui, on semble voir que la sentence de Dieu est, est atténuée. On voit Dieu comme étant un chien mort, un chien qui n'a pas de dents. En réalité, bien aimé dans le Seigneur, la colère de Dieu est là et elle est là certainement. On ne joue pas avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Oui, bien aimé, la conscience qui est aussi une loi de Dieu dans le cœur de l'homme. Cette notion du bien et du mal permet de peser les pour et les contre des actes que l'on veut poser. Elle contribue la conscience au respect des valeurs dictées par la loi car la loi est écrite dans le cœur. Leur conscience atteste ainsi Romain, toujours Paul dans son épître aux Romains chapitre 2. Il est donc nécessaire de bien se comporter, c'est très important. Il dit si je tarde à venir il faut savoir comment est-ce que vous devez vous comporter, comment vous devez vous tenir dans la maison de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ, ne tardera plus, parce que nous disons au début de l'émission, tout au cours de l'émission, que les retours de Jésus-Christ semblent de plus en plus éminents. Voilà, voilà pourquoi nous nous préparons et nous aidons le peuple de Dieu, bien à se préparer aussi. À la rencontre du Seigneur lors de son retour. Non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience, bien-aimés, nous devons remoder notre comportement, nous devons changer notre attitude, notre comportement vis-à-vis de Dieu. Il y a aussi, bien aimé, on sait le comportement humain, nous ne pouvons pas de la chair, de la législation, de la conscience il y a aussi l'esprit. Si vous vivez sans la chair, disait encore Paul, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est un avertissement, bien aimé dans le Seigneur, parce que la conduite par l'esprit de Dieu permet d'obtenir la victoire. La conduite par l'esprit les, par, par de Dieu permet à changer notre attitude, notre comportement, nos agissements, bien aimé dans le Seigneur, pour obtenir la victoire sur les œuvres mortes et les vivre dans la sanctification au sein de notre environnement. Oui, bien aimé dans le Seigneur, le comportement humain du chrétien ne doit pas être soumis au désirata de la chair, mais la conduite d'un enfant de Dieu, partout où il se retrouve, dans n'importe quel environnement, et en toutes circonstances, bien aimé dans le Seigneur, est conditionné par la crainte de l'éternel. Nous en avons parlé, en tout cas, dans cette série d'émissions. Je vous ne pas suivi, vous pouvez le re suivre dans notre page Facebook ou alors revisiter la page de votre émission, epvtv.com. Vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube pour suivre notre émission. Nous avons fait sur la crainte de l'éternel. Mais, mais c'est ça le commencement de la chargée que nous avons dit révèle l'écriture de Dieu. Un bon comportement, une bonne attitude, un bon agissement, bien -aimé. Ben aimé, permet l'épanouissement dans tout le domaine. Donc si tu veux t'épanouir, même dans tes relations, avoir des relations fructueuses, des relations qui produisent, avoir un élan, avoir euh, un avancement, avoir une promotion, être prospère dans ta vie bien-aimée dans le Seigneur, ayez une bonne attitude, Là, ayez un bon comportement, Ma même pas seulement un comportement... Euh, Oh, euh, apparente, mais un comportement réel, une attitude. Et la vraie attitude, bien-aimé Seigneur, c'est l'attitude du cœur, bien-aimé, dans le Seigneur. Changez de comportement, bien-aimé. Et bien me dit, renouvellez votre intelligence. Je vous exhorte donc, par des compassions de Christ, bien-aimé, à offrir votre corps comme un saint ici un sacrifice vivant, saint, qui sera agréable. Renouveler votre intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Renouvellement du comportement. Renouvellement des attitudes, bien-aimés. Nous avons tout notre système de pensée. Notre système de comportement. Nos systèmes d'attitudes qui sont verrouillés, bien-aimés, dans le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons reposséder. Nous devons revenir, bien-aimés, au bon sentiment pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimés, la Bible dit que c'est qu'un homme a s'aimer, il les récoltera. Tu les récolteras. Tu as semé les désordres, tu récolteras les désordres. Tu as semé, bien aimé, dans le Seigneur, la, la division, eh bien, tu récolteras la division. Il y a des gens qui ont des comportements bizarres, qui ne viennent dans la vie des gens, qui ne viennent dans des communautés qui pour amener division, querelles, dispute. Ils sont là comme des Philistins, ils ramènent et sec, ils ramènent tout. Nous croyons que notre Dieu est réellement Rehoboth. Ré Il est Rehoboth. Voilà pourquoi j'ai pris sur toi Tu as connu la division, tu as connu l'opposition, tu as connu la contestation, tu as connu tous ces genres de choses là. Je dis que Rehoboth est là. Rehoboth est là. Des spécialistes des mauvais comportements. Vous, la, vous le recevez chez soi, vous le recevez chez vous à la maison, c'est un véritable démon eh bien, qui, vient, qui vient décimer toute votre maison. Vous le recevez dans votre église. En tout cas, il agit pour le travail, faire le travail de son maître, pour amener la division, la... Colère, la séparation entre les enfants de Dieu. Ils ont l'air ils ont d'être des, des enfants de Dieu pieux qui respectent, qui obéissent à la lettre. La parole de Dieu n'est pas encore sortie de ta bouche, qu'elle a déjà exécutée. Mais au fond, ils ont des agendas cachés. Agendas cachés, bien-aimés, dans les Seigneurs. Ces problèmes comportementaux. Alors, mettez-vous à l'esprit, vous qui s'aimez ainsi, bien-aimés, dans, dans votre vie, des désordres, qui, qui ainsi s'aimez ainsi la division. Vous en récolterez vous aussi. Soyez-en sûrs, même si nous sommes au temps de la grâce, la grâce est là, mais Dieu aussi s'occupe de façon agréable aux gens qui sont en train de détruire l'œuvre de Dieu. Mais en tout cas, nous, nous continuons à faire l'œuvre de Dieu sur la pensée des dieux, sur la vision des dieux, sur la conception des dieux, Selon l'inspiration de Dieu Parce que l'Église, c'est la vision des dieux. L'Église, c'est la conception des dieux. L'Église, c'est la pensée des dieux. Et nous faisons que la pensée de notre Maître qui est visionnaire et porteur de la vision. De son église bien aimé dans le Seigneur. Oui, ceux qui sèment le vent récolteront la tapette. Tu ne pourras jamais récolter le, le poire lorsque tu vas planter le, le, le pomme. Impossible. Tu pourras jamais récolter des piouennes quand tu vas quand tu vas planter, je ne sais pas moi, quelle autre fleur. Tu pourras pas. Tu ne récolteras que ce que toi tu as semé. Si tu plantes l'honnêteté, si tu plantes les pardons, si tu plantes la douceur, ce sont effectivement aussi ces valeurs-là que tu récolteras. Il sera de même pour la corruption. Celui qui sème la corruption, qui sème la haine, qui sème la violence, des spécialistes pour séparer, père père et enfant pour séparer femme et... Et, et, et son mari, et le l'homme et sa femme, spécialistes pour diviser l'église euh, de Dieu, diviser les responsables de l'église. Ils sont là pour opposer les églises, ils sont là pour opposer père et fils, ils sont là pour opposer des visions, comme pour dire que cette vision-là leur appartient, alors que la vision appartient au visionnaire qui est Jésus-Christ de Nazareth en lui et en lui seul. Les diables, bien-aimés! Il s'appuie sur quoi Il s'appuie sur notre péché pour détruire notre vie, pour détruire notre église, pour détruire notre société et aussi même pour détruire notre pays. Il y a aussi des mâles nationaux. Il y a des nations entières qui souffrent, des nations, des pays entiers qui souffrent. Pourquoi parce qu'il y a un péché national. Ils doivent l'exhumer, ces péchés-là. Ils doivent se répentir entièrement dans leur vie afin de voir la visitation de Dieu dans leur vie, bien-aimée, dans les seigneurs. Il y a des gens, bien-aimés, le chien des diables, son besoin, c'est quoi De pouvoir lier, embrigader des familles entières, en, par des pratiques abominables, lier ainsi l'Église entière, par des pratiques nauséabondes, diviser pasteurs ainsi que les enfants de Dieu, diviser les enfants de Dieu entre, entre eux, tu vas voir dans l'église de Dieu des problèmes de comportement comportementaux des petits groupuscules il y a tel groupe qui se rassemble entre eux et notre groupe à côté notre groupe là bas chacun cherche à avoir la sympathie de l'homme de Dieu c'est pas nécessaire cela il y a tel groupe qui ne parle pas l'autre groupe il y a telle personne qui ne fréquente pas tel autre une sœur qui va pas voir l'autre sœur cette église là ne parle pas avec une autre église cette communauté là ainsi de suite. Bénémés dans le Seigneur, c'est ça, bien aimé la pensée du diable, on s'étend de la fin pour nous diviser, nous diviser et nous diviser. C'est parce que nous avons compris ces comportements-là que nous avons compris cela. Nous le disons aujourd'hui, bien c'est très important. Celui qui sème le pardon, celui qui sème la repentance, celui qui sème la sanctification, il y recevra aussi dans sa vie, dans son ministère, dans son foyer, les valeurs qui ont les mêmes significations dans sa vie, bien aimé dans les seigneurs. Le diable ne peut s'appuyer qu'à quelque chose qui se connecte à lui. Le diable ne peut se connecter qu'à quelque chose en toi, bien-aimé, qui n'obéit pas à la volonté de Dieu. Il ne peut s'appuyer que sur ça. Le diable n'a pas une parcelle sous la terre. Le diable a été précipité sous la terre, animé d'une grande colère. C'est un esprit. Et il ne peut pas vive comme nous nous vivons réellement et il cherche juste à s'appuyer sur nous sur quelque chose qui s'authentifie à lui il vient synchroniser à toi il fait de toi un dépôt un modèle afin de pouvoir gagner toutes les autres personnes autour de toi pour sa gloire vaine, bien aimé, dans le Seigneur. C'est ça la pratique d'ennemi que nous sommes en train de décrier, que nous dénonçons, bien aimé. et ces pratiques rentrent même dans nos églises, bien aimé. Il est très important, bien aimé, de nous réveiller en ces temps de la fin, d'enlever la haine, le comportement de la haine autour de nous, d'enlever le comportement de la la division autour de nous, d'enlever les querelles autour de nous, d'enlever, bien aimé, l'esprit de comparaison. On veut bien se comparer. Je suis la grande église. Je suis la grande chaîne de télévision. Je suis ceci. Je suis le grand conférencier. Je suis le grand pasteur. Je suis le grand prédicateur. Je suis le grand, 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 grand. Mais au-dessus de toi, il y a qui, bien aimé? Dans les nous sommes tous des ouvriers, des sentinelles, des surveillants que Dieu a établi chacun dans ce domaine des, dans, ce, dans, dans, dans sa parcelle d'autorité, dans sa parcelle où Dieu nous a casés. Mais les grands maîtres, les grands prédicateurs, le juge suprême, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans les Seigneurs. La grand-mère fait la sorcellerie, la mère fait la sorcellerie, la fille fait la sorcellerie, la petite fille fait la sorcellerie. On suit une malédiction, une malédiction générationnelle. Ça, c'est la pratique du diable, la pratique des ennemis. La Bible déclare que Dieu peut iniquiter de paix de la quatrième à la cinquième génération, mais il fait grâce jusqu'à 1000 générations. Mais si tu te retrouves dans des mauvais comportements, dans des mauvaises pratiques, bien il est très important de prendre conscience. Nous avons parlé de... De la conscience, comme étant le comportement humain, la chair, la législation, la conscience et l'esprit de Dieu. Nous devons prendre conscience, bien aimés de ces mauvaises pratiques. Il y a des gens, des prédicateurs qui sont assises, bien aimés dans la sorcellerie, qui sont assis bien aimés dans la magie, qui sont assises sur autre chose qui n'obéit pas à Dieu, bien aimé. C'est très important d'ouvrir grandement nos yeux. On se de la fin, bien aimés dans le Seigneur, afin de réaliser et via ce comportement les dénoncer, bien -aimé, les décrier à, à, à travers nous, afin que le roi de gloire qui revient bientôt puisse retrouver son église. Satan cherche à enraciner nos maisons. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai pris sur ta maison. Toi où le diable t'a séparé avec ton mari, il t'a séparé avec tes enfants dans des mauvaises pratiques, des mauvais comportements. Je déclare sur ta vie la délivrance aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où ton mari est parti, qui n'est pas la paix, qui n'est pas la paix, qui n'est pas, qu pas la paix, que le Saint-Esprit touche son cœur et qu'il revienne à la raison. Ça c'est la pratique du diable en ce temps de la fin. Pour diviser les familles, diviser les églises, diviser les amis. Les gens qui mènent leurs relations depuis des années, depuis 30 ans, depuis 20 ans, ils sont des amis. Toi, tu arrives seulement aujourd'hui avec une mauvaise pensée, dirigée par le diable, conduit par le diable, tu viens les séparer. Que tu sois frappé aujourd'hui dans le nom de Jésus. De la même manière que Christ a rencontré sol des taxes sur le chemin de Damas où il allait persécuter les chrétiens. Il dit sol, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu que ce Jésus-là fasse irruption sur ta vie? Qu'il fasse irruption sur ta vie. Et qui t'écarte du chemin des enfants de Dieu. Toi qui mènes la zizane, la division. Dans l'église, dans le cœur des enfants de Dieu. La Bible promet que Dieu bénira ceux qui l'aiment et lui obéissent jusqu'à mille générations. Celui qui continue à pécher appartient au diable. Car le diable a péché dès le commencement. Mais le fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi j'ai pris sur ta vie. Que la puissance du nom de Jésus-Christ détruise toutes les œuvres du diable dans ta vie, dans ton environnement, dans ton foyer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui vis une maladie générationnelle et que tu sois libéré et guéri aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces problèmes comportementaux dans lesquels tu vis, dans lesquels tu es ensemencé, ces problèmes héréditaires, les fils de l'homme, les fils de Dieu est apparu pour détruire, pour déraciner, parce que l'œuvre de la croix nous délivre complètement des racines du mal. Et du péché. Sois-en libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton ministère prospère et aille de l'avant dans les noms précieux, dans les noms Jésus, de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu et notre Seigneur. Notre Dieu et notre Seigneur. Nous bénissons tous, bénémenes dans les Seigneur... pour la confiance. Vraiment, du fond de mon cœur, je me permets de toucher l'emplacement de mon cœur pour vous exprimer. Ma joie inexpérée de vous savoir dans la confiance envers votre Dieu. La confiance que vous témoignez au dernier virage et à EPV Télévision, ce n'est pas à l'endroit de votre sentinelle que je suis, mais c'est à l'endroit de votre Dieu. Continuez à faire confiance, non pas à l'homme, mais confie-toi à Dieu. Parce que maudit soit celui qui se confie dans l'homme, mais qu'il soit béni celui qui se confie en Dieu. On n'a pas eu de problèmes comportementaux. C'est très important de changer notre comportement, bien aimé, afin de vivre une saison heureuse avec notre Dieu. Si vous avez aimé cette émission, bien aimé, n'oubliez pas de la partager autour de nous. partagez la vraiment pour qu'un plus grand nombre de gens puissent accéder, bien aimé, à cette vérité que nous avons tirée de la vérité vraie de la parole de Dieu. N'hésitez surtout pas, si vous voulez traduire par des actes concrets, des actes factuels, bien aimé, à soutenir votre émission, n'hésitez surtout pas dernier virage tant à pouvoir vous servir à cause de vous servir et pour le bénéfice de vous servir. C'est très important que nous ayons les, les moyens matériels, financiers qu'il faut afin de pouvoir pérenniser, bien aimer cette émission et chaque fois vous présenter des missions de qualité. N'hésitez surtout pas, vous avez nos, nos, nos contacts, vous avez en tout cas euh, nos contacts pour, nous, pour prendre contact avec nous. Si vous voulez effectivement faire ce geste à l'endroit de votre émission, notre Dieu ne manquera pas. À vous bénir absolument. Vous avez aimé encore une fois, partagez-la. Merci à vous tous pour votre confiance. Merci à Sissi Kimone Kene. Merci à Pasteur Emmanuel Ntouni pour votre, pour votre soutien toute l'église Ville de Gloire. En tout cas, merci à Céline Moujinga, à, à vous tous. Euh, euh, qui fait confiance à votre émission Odil Makwatu, euh, euh, Mimi Maolo en tout cas merci à ma couronne euh, Lorti Mama Lorca pour votre soutien et tout le centre évangélique Christ notre roi qui est producteur de votre émission ainsi international Wombi Ministry à la technique à la réagir, réalisation de votre serviteur, le pasteur Efouanga Constant Essoué, ainsi que l'apôtre Miché qui nous a aidé vraiment à la technique, M. Maman Nadine à tous les héros dans l'ombre des EPV TV merci à vous tous, à travers le monde entier, à toi que mon Dieu vous bénisse, à la réalisation de votre émission votre serviteur, votre Très sentinelle Wombi type Dilingui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous serons bien le 31 janvier 2017. Pendant ce temps, restez branchés sur votre émission et que mon Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse et encore vous bénisse, vous bénisse, encore vous bénisse dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. La grâce vient de quoi Ça vient de la présence de croix de Jésus dans notre vie. À chaque...